Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un fruit vraiment extraordinaire, c'est l'asiminier trilobé qu'on appelle également la mangue du Nord. Alors mangue du Nord, c'est vrai que ça nous interpelle tout de suite, mangue, on pense à un fruit vraiment exotique, des saveurs exotiques, et du Nord on se dit ah ça doit résister au froid. Effectivement, cet arbre nous vient d'Amérique du Nord, c'est le plus gros fruit d'Amérique du Nord puisque son fruit peut atteindre, le record c'est quasiment 800 grammes. Alors, qu'est-ce qu'il aime bien? Bah, effectivement, quand on voit ces grandes feuilles, alors là, elles ont été abîmées par vraiment des gros coups de vent. Qu'est-ce qu'il aime bien, cet asiminier? Quand on voit ces grandes feuilles, on comprend qu'il a envie d'avoir vraiment beaucoup d'eau. Et effectivement, sur la côte est des États-Unis, on a des étés très très chauds. Il peut faire régulièrement 35-40 degrés, mais avec de l'humidité. Quand j'y suis allé il y a 2 ans, bah, effectivement, en plein été, on avait du maïs de 2,50 m de haut, des prairies vertes, 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 et personne n'arrose. Donc, on comprend qu'il va falloir le mettre dans un sol qui va pouvoir retenir la fraîcheur et puis bien pailler le sol pour garder l'humidité. Donc là, à la plantation, on va faire, j'irais, un paillage de 50 cm minimum tout autour. On privilégie un paillage organique. Un paillage organique, c'est quoi? C'est de la tonte de pelouse, du bois broyé. Nous, ici, on avait utilisé du bois broyé à l'implantation. Ça peut être de la paille. Tout ce qui va venir couvrir le sol, éviter que l'herbe ne pousse. Et puis, en se dégradant, va venir enrichir la terre. Au niveau du sol, forcément, l'asiminier, il va préférer les sols plutôt type bonne terre de jardin. Alors, c'est quoi une bonne terre de jardin? C'est une terre assez souple qui va retenir quand même l'eau en été. Un sol argileux, par exemple, convient tout à fait à l'asiminier. D'autant plus que l'asiminier peut tolérer l'humidité hivernale. Alors, ça, c'est pas une plante de marécage, mais si on a des inondations pendant la période de repos hivernal, il n'y a pas de problème. Cette plante-là est multipliée de greffes. C'est-à-dire qu'on sème une plante, 2 ans après, on la greffe avec une technique assez spécifique et on la cultive dans un pot très très haut. C'est la seule plante avec les noix de pécan qui est cultivée dans un pot très très haut parce que ça permet de préserver le système racinaire. C'est un système racinaire pivotant, c'est-à-dire que la plante forme une grande racine qui va lui permettre de puiser l'eau en profondeur. Donc il est important pour une bonne implantation de la plante de préserver ce système racinaire, raison pour laquelle nous cultivons ces plantes-là dans des pots spécifiques. Les plus grands pots peuvent faire 47 cm d'eau et sur un diamètre comme ça. On n'en voit jamais normalement en jardinerie des pots comme ça. Alors l'asiminier, quel est son cycle de végétation? C'est une plante qui démarre très très tard en saison. C'est une des dernières plantes à démarrer. Hein. Souvent au mois d'avril, on se dit bah tiens, disons, j'ai pas de signe de vie sur mon asiminier. C'est normal. Il est très gourmand en température et du coup, on va avoir d'abord la floraison, des jolies clochettes violettes sur toute la plante qui vont apparaître, je dirais, début mai. Ensuite, ces feuilles vont sortir et puis on va voir les premiers fruits apparaître. Alors, les fruits de l'asiminier, c'est assez rigolo. Là, on en a un double. Là, on en a un triple. Donc, une fleur va produire plusieurs fruits. C'est assez remarquable dans le règne végétal. S'il n'y a pas beaucoup de plantes qui font ça. C'est ce qui lui a donné aussi son surnom de banane des Indiens lorsque les premiers Européens sont arrivés aux États-Unis et ont vu cette plante-là. Parce qu'effectivement, on a cette forme un petit peu qu'on appelle chez les bananes une main, cette forme de main avec tous ces fruits groupés. Et puis, ils vont se développer durant toute la saison de végétation jusqu'à être mûrs au mois de septembre. Hein, les premières variétés, je dirais, sont mûres courant août. Et puis, ensuite, ça va s'étaler. Entre les premières et les dernières, il peut se passer 2 mois et demi. Alors, comment on sait quand une mangue du Nord est mûre? Ben, en fait, il n'y a pas de changement de couleur. Donc, soit on vient et on les touche, celles qui tombent dans la main sont bonnes à être consommées. Ou alors, ceux qui ont vraiment des grandes quantités d'arbres tendent des filets et laissent tomber les fruits dans les filets et puis les ramassent tous les jours. Alors, le fruit est excellent, cru. Ça a vraiment un goût de mangue, de banane, une petite touche de vanille. Ça se mange à la cuillère. C'est une texture qu'on ne connaît pas dans les fruits, je dirais, qu'on cultive traditionnellement en France. C'est très, très crémeux.
D'où le fait que le fruit se prête très très bien à une transformation. Alors aux États-Unis, on se régale des glaces à la mangue du Nord. On en fait également des gâteaux. Certains font de la bière avec. Vraiment, il y a tout un tas d'utilisations différentes. Au niveau de l'entretien de l'azimier, alors on peut le tailler. C'est une plante qui réagit très bien à la taille. Effectivement, si vous avez un tout petit jardin, cette plante-là, à terme, elle peut faire 3-4 mètres de haut, mais si vous voulez la maintenir à 2 mètres, c'est tout à fait faisable, on la taille durant l'hiver. Il n'y a pas de ravageurs et de maladies, parce qu'en fait, la plante sécrète une toxine qui évite la présence de ravageurs. Alors, aux États-Unis, il y a un ravageur, qui est un papillon magnifique, noir et blanc, qui des fois peut faire tomber les fruits, mais ce papillon n'est pas présent en Europe. Voilà, une plante facile qui forcément est cultivée, je dirais, en agriculture biologique, parce que je ne sais même pas ce qu'on pourrait passer comme traitement dessus, il n'y a aucun ravageur. Il y a des plantes, il y a des variétés, donc des sortes d'aziminiers qui sont auto-fertiles, ça veut dire un arbre va donner tout seul des fruits. Dans ces variétés-là, on va avoir les traditionnels Sunflower Prima, et puis une variété extrêmement prometteuse parce qu'elle va permettre de cultiver des mangues du Nord dans la partie nord de la France, c'est la variété Kentucky Champion. Donc voilà, ces trois variétés-là, elles sont auto-fertiles. Un plant tout seul dans un jardin va donner des fruits. Et puis après, il existe 20 ou 30 autres variétés qui vont permettre d'avoir des saveurs, des textures un petit peu différentes, mais elles nécessitent une pollinisation croisée. Je vais mettre une plante d'une variété A, une plante d'une variété B. Les deux vont se polliniser et les deux vont donner des fruits, d'accord ? Voilà, bah écoutez, avec tous ces conseils, je pense que vous êtes les prochains producteurs de mangue en France. Vous allez étonner vos amis avec ces fruits qui ressemblent un petit peu à des œufs de dinosaures et qui ont des saveurs exotiques. Donc, à bientôt sur aujardin.info.